Il faudra que tu nous expliques. Nous sommes venus spécialement avec le patron pour comprendre ce qui se passe. Si tu n'es pas efficace, on sera obligé de te reposer. Bon, faut nous expliquer la baisse de l'économie et la chute de nos pourcentages dans l'or et le pétrole. C'est pas de ma faute. J'ai fait tout mon possible. Mais la communauté a choisi une autre personne. Non, c'est nous qui choisissons qui doit diriger. Et personne d'autre. À ça, jamais. Personne n'est choisi à notre place. Nous encourageons l'aide qui nous permet de nous passer de l'aide, mais pas le contraire. Nous avons décidé de choisir une forme d'organisation mieux adaptée pour notre communauté. Plus rien ne sera comme avant. Rien ne se fera sans la participation de la communauté. Et qui es-tu pour interrompre notre conversation? Je suis celui qui parle au nom de ceux qui vivent dans la misère. Au nom de ceux qui se saignent matin, midi et soir pour subvenir à leurs besoins. Je parle au nom de ceux qui vivent dans les ghettos et qui, parce que leur peau est noire ou leur culture est différente, bénéficient d'un statut inférieur à celui d'un animal. Je parle au nom de tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui, par manque de moyens, meurent comme des chiens. Pendant ce temps, certains savourent leur aisance avec champagne, caviar et cigares. Je parle au nom de ceux qui, sur la terre de leurs ancêtres, ont décidé de prendre leur destin en main. Seule la lutte libère. Tu as de belles idées, mais tu es trop jeune pour comprendre le système.